Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un cas, c'était en gestion commerciale, un cas qui s'appelle la ventilation des frais d'approche. C'est dans le cas, par exemple, là j'ai créé une facture Coca-Cola, donc je me suis adressé à Coca-Cola et puis j'achète les fameuses bouteilles et j'en achète 10 000. Donc, coût de revient à 1 euro, bon, donc j'ai un coût de revient qui est calculé forcément hein, sur ces bouteilles. Et puis, donc là, mon achat date du 18 mars. Et puis, quelques jours après, je reçois une deuxième facture d'un prestataire, un prestataire de transport par exemple, qui lui me facture par exemple le coût du conteneur pour la livraison des bouteilles de Coca-Cola. Alors là, il me facture 300 euros. Je voudrais, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir impacter ces 300 euros sur le coût de mes bouteilles de Coca-Cola de façon à ce que le prix de revient soit alimenté de façon à ce que le calcul de ma marge soit le plus juste possible. Ben en fait, dans cette facture, cette deuxième facture qui vient après coup, après l'autre, et qui n'est pas forcément d'ailleurs le même fournisseur, eh bien, je vais ici, dans le bouton pied, je vais pouvoir accéder à frais. Donc c'est une facture fournisseur, j'accède donc dans pied frais, et je vais rentrer dedans. Et là, j'ai des possibilités qui existent, et soit je vais aller chercher un bon livraison en cours, soit une facture en cours, soit une facture déjà comptabilisée. Par exemple, je vais prendre une facture en cours et ma facture était du 18 mars. Ça va me permettre de borner un petit peu. Je clique sur valider. Il me trouve là où les factures sur cette période-là. Alors si je fais supprimer, je ne sais plus si j'ai d'autres. Je vais mettre que facture, je ne sais plus. Oui, voilà, j'en ai d'autres. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que je pourrais aller chercher plusieurs factures, pas une seule. Imaginons que j'ai deux factures pour Coca-Cola, je pourrais très bien sélectionner les deux factures. Donc là, moi, je vais dire, celle-ci, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Celle-ci, j'en veux pas, ok, ça m'intéresse pas. Et celle-ci non plus, très bien. D'accord? Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est celle-ci. Je vais faire OK. Automatiquement, cette fenêtre s'ouvre, ventilation de la facture. Donc la facture, il va me proposer une ventilation de 300 euros, donc la totale de mon coût de conteneur. Une base de ventilation, donc si j'avais choisi plusieurs factures ou s'il y avait plusieurs lignes sur ma facture, comment va se répartir cette ventilation selon le prix d'achat. Donc vous voyez, les valeurs qui sont calculées ici peuvent changer selon le prix de revient, selon le poids net global de l'article. Bon, là, il me propose zéro parce que je n'ai pas de poids sur mon article. Selon les quantités, etc. D'accord? Alors, là, bon, je vais faire une répartition à 100%, donc sur cette facture FA11. Je clique sur OK. Et maintenant, au passage, si je retourne dans la facture FA11, ici, j'ai rajouté une colonne frais. On voit bien que les frais se sont alimentés. Et on voit aussi que le prix unitaire a bien évolué. Donc de 10 000 plus 300, 10 300, et divisé par la quantité, donc on est arrivé à 1,03. Voilà. Voilà comment se passe la ventilation pardon, des frais de façon à impacter les prix de revient. Alors maintenant, il y a une petite particularité quand même à connaître, c'est par exemple si on fait ça, on reçoit la facture Coca-Cola et on commence à vendre nos articles du Coca-Cola, j'en vends, et après coup, la facture du conteneur arrive. Donc, on va faire cette procédure de ventilation des frais, comme j'ai déjà montré, qui va donc alimenter le prix de revient de ma facture fournisseur Coca-Cola. Mais la vente, elle a déjà été enregistrée avec un prix de revient. Donc là, le seul moyen d'actualiser la vente, ça va être de passer par la fonction fichier outils, réajustement des cumuls. Et là, on va demander un recalcul des CMUP, si notre article est suivi en CMUP, hein, de façon, alors par exemple en bornant que sur lui, hein, de façon à ce que si cet article a été vendu, alors voilà, on peut réajuster uniquement sur les articles mouvementés. Donc si cet article a été vendu par rapport à la date d'achat de la facture Coca-Cola, donc ici c'était 18 mars. Il va réaffecter le prix de revient, le bon prix de revient sur les factures ou les livraisons déjà existantes de vente. Voilà. Et ça, c'est pas oublié, parce qu'effectivement, si ça a déjà été vendu alors qu'on enregistre les frais après coup, il faut penser à lancer cette fonction aussi. Voilà. Allez, à bientôt.